Jésus règne. 1 Roi chapitre 3. Nous voulons nous encourager dans la prière aujourd'hui. Monter dans la prière. Et j'ai toujours été fasciné par cette histoire de 1 Roi 3. Ça inspire beaucoup, beaucoup de sujets. Aujourd'hui encore, on va y revenir. Et le petit thème que j'ai trouvé, c'est allons voir le roi. Allons voir le roi. Je voudrais, au travers de ce texte, souligner l'importance de la prière. Et au travers de ce texte, souligner également les raisons pour lesquelles nous devons aller voir le roi dans la prière. Les raisons qui sont dans ce texte essentiellement. 1 Roi chapitre 3 verset 16. Tu fais bien de te lever pour honorer la parole. Pendant que tu te lèves, tu es en train d'être guéri. Pendant que tu te lèves, tu es en train d'être fortifié dans ton corps. Au nom de Jésus. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Je suis accouchée près d'elle, dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'était levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Elle l'a couché dans son sein et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils. Aujourd'hui, que ce soit le matin pour quelqu'un, que tu regardes attentivement ta situation et que tu dises: non, ça c'est pas ma vie. L'autre femme dit: au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua: nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Aujourd'hui, nous allons parler devant le roi. Et le roi dit: l'une dit c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit: nullement, c'est ton fils qui est vivant et c'est mon fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta: apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Le roi dit: coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi: ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit: il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Et le roi, pendant la parole, dit: donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Aujourd'hui, quelqu'un va rentrer dans ses droits parce que le roi va trancher. Père, que cette parole nous donne la vie aujourd'hui. Au nom de Jésus, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et acclamer cette parole sans le commentaire de qui que ce soit?
Bien-aimé, la prière est quelque chose de très important. La prière, c'est la connexion entre nous et Dieu. Dieu est Dieu. Nous, nous sommes des humains. Le seul point de contact, c'est la prière. Dieu est tout puissant. Nous, nous sommes faibles. Le seul moyen de communication, c'est la prière. C'est la prière. La prière a un pouvoir illimité dans le temps et dans l'espace. La prière a un pouvoir illimité dans le temps et dans l'espace. La prière a un pouvoir illimité dans le temps et dans l'espace. Nous sommes parfois les résultats des prières d'il y a 8 ans. Il y a 10 ans. Et la prière que tu fais aujourd'hui aura peut-être des effets dans 4 ans, dans 7 ans. Qui sait si la vie que tu mènes aujourd'hui, les accidents épargnés, les maladies guéries, c'est le résultat peut-être de la prière de quelqu'un il y a 7 ans passé. Qui sait si la personne que tu as aujourd'hui qui se décide de t'épouser, qui remplit beaucoup de bons critères, il est en même temps intelligent, en même temps il parle en langue, en même temps il craint Dieu, en même temps il parle anglais, en même temps il est licencié, en même temps il travaille, en même temps il remplit tout. Peut-être que c'est la prière de ta maman il y a 28 ans passé. Lorsqu'elle te portait dans ses bras, elle priait le Seigneur que ma fille qui grandit, lorsqu'elle aura l'âge de se marier, qu'elle rencontre quelqu'un de bien. Et 28 ans plus tard, ça se réalise dans ta vie. Bien aimé, la prière plutôt a un pouvoir illimité dans le temps. Retiens ça et ne l'oublie jamais. C'est pourquoi il faut prier. Chaque fois que tu as l'occasion, il faut prier. Chaque fois que tu en as la capacité, tu dois prier. Nous sommes des humains. Nous vivons dans le temps. On ne maîtrise pas tout. Mais nos prières peuvent nous précéder dans le futur. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, les prières que tu fais aujourd'hui te précèdent dans le futur. La prière que tu fais aujourd'hui embellit ton futur. La prière que tu fais aujourd'hui préserve la vie de tes enfants lorsqu'ils auront 16 ans, 17 ans. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. La prière a aussi un pouvoir illimité dans l'espace. C'est-à-dire, nous sommes ici, nous prions pour des gens qui sont à Bandundu, qui sont à l'Équateur, des gens qui sont à Matadi, des gens qui sont en Europe. Et des gens qui sont en Europe, ils prient pour des gens qui sont en Afrique. Et il y a des effets. Parce que la prière a un pouvoir illimité. Illimité. Et l'une des choses qui font que nous puissions prier, ça doit être aussi parce que nous refusons la situation d'aujourd'hui. Parfois, la motivation dans la prière, c'est le refus de la réalité et le désir profond de voir les choses changer. C'est pourquoi la femme ici, elle a dit, le matin étant venu, j'ai regardé attentivement. J'ai dit, ce n'est pas mon fils. Je le dis souvent ici. Si c'était une femme congolaise, elle n'allait même pas prendre l'initiative d'aller prier le roi. Elle n'allait même pas regarder attentivement. Elle dit, parce que les bébés parfois ça se confond. Alors elle allait juste crier. Il faut continuer dans la kimia.
au continuer au sepela au continuer au commis nzambe mon coach na vimo ya yote mutusko fala galela a sali échange ya vie. Ce soir nous allons prier pour que chacun rentre dans ses droits. Alors je dis à quelqu'un, nous allons prier aujourd'hui. S'il y avait un transfert de malheur, transfert de pleurs, transfert de soucis, aujourd'hui chacun doit rentrer dans ses droits. Parce qu'il ne t'appartient pas de pleurer pour des choses qui ne t'appartiennent pas. Il dit, j'ai regardé attentivement. Ce n'était pas mon fils. Regarde bien ta vie, ce n'est pas ta vie. Regarde bien ta vie. Dis pas, oh non, la volonté de Dieu. C'est ma volonté de Dieu. Ce n'est pas ta vie. Il faut refuser ça. Alléluia. Amen. Tout ce qui n'arrive n'est pas forcément la volonté de Dieu. Vous savez ça, non? Et vous savez ça, non? Il y a des choses qui sont les résultats de nos choix. Tu avais le choix. Alléluia. Amen. Refuser Koboya. La situation. Likambo. Refuser Koboya. Les conditions dans lesquelles tu es, l'olenge, refuser l'état dans lequel tu es, c'est aussi une motivation dans la prière. L'olenge, ndenge ozaleli, ezape moko ya makambo, ezo tindika biso na kata. Car parfois dans la vie, si tu ne refuses pas une condition, tu fermes la porte à une autre condition. Yo kange kuke pona makambo mosusu ya. Si tu crées un confort dans le désert, ça t'empêche d'arriver à Canaan. Tu penseras que c'est ta destinée. Ce n'est pas la destinée. À un certain moment, il faut refuser la manne pour manger la viande. Alléluia. Amen. Alors ce soir, la prière qu'on fera, c'est la prière de ceux qui en ont marre de leur vie. De quelqu'un qui dit trop c'est trop. Ça doit changer. Et nous avons un roi qui entend et il va changer les choses. Je refuse d'enterrer mon fils. Je refuse d'enterrer ma fille. Je refuse d'enterrer ma destinée. Je refuse d'enterrer mes rêves. Je refuse d'enterrer mon ministère. Je refuse d'enterrer ce que Dieu a prévu pour moi. Je refuse d'enterrer mon business. Je refuse. Et je me lève dans la prière. Les choses doivent changer. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est très important. C'est très important. Dans le livre de Daniel, chapitre 6, au verset 10, la Bible dit que lorsque Daniel a appris la sentence du roi, il s'est décidé. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure était ouverte dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Il regardait de loin parce que je disais que la prière n'a pas de frontières. La prière a un pouvoir illimité dans l'espace. Il observe vers Jérusalem. Pourquoi? Parce que lorsque on inaugurait le temple de Salomon, la gloire était descendue. Et Dieu a dit, chaque fois qu'on priera, même ceux qui seront loin, à la direction de ce temple, j'ouvrirai le ciel et j'exaucerai la prière. Alors de loin, il regardait et sa prière était exaucée parce qu'il était différent des autres. Je dis à quelqu'un, tu prieras et le ciel s'ouvrira. Je ne sais pas, je parle à qui. Je dis, tu prieras, le ciel t'exaucera. Ce soir, nous sommes venus prier. Je voudrais juste motiver quelqu'un à la prière. À la prière. Une autre observation avant de toucher les raisons de la prière. Ces femmes, on les appelle des prostituées. Elles sont des prostituées. Une profession honteuse.
qui ne peut pas se présenter à haute voix devant les officiers. Mais malgré leur profession de honte, elles se décident d'aller prier, d'aller voir le roi. Ça signifie quoi? Frères et sœurs dans le Seigneur, que le péché ne t'empêche pas de prier. Voilà l'équilibre. Que le péché ne t'empêche pas de faire quoi? De prier. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable nous piège. Il fait en sorte que lorsque tu pêches, lorsque tu te retrouves dans le péché, lorsque d'une manière ou d'une autre tu te retrouves dans une situation où tu as péché, alors lui place en toi la culpabilité. Tu te dis, Dieu ne va pas m'écouter. Dieu ne va pas me rejeter. Tu as la culpabilité. Tu fuis la présence de Dieu. Petit à petit, tu vas jusque vers son piège. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu te retrouves dans les péchés, ne t'empêche pas toi-même de prier. Parce que ton Père qui est dans les cieux, il attend un cri de ta part pour te secourir. Pour te sauver de là. Elle n'avait pas une bonne vie. Elle n'avait pas une bonne réputation. Mais ils ont dit, nous allons voir le roi. Est-ce qu'elles sont acceptables? On ne sait pas. Est-ce qu'elles remplissent les critères pour entrer chez le roi? On ne sait pas. Mais elles se disent, même si nous sommes impurs, même si nous sommes prostituées, même si c'est un métier de honte, même si on est ridiculisé, nous irons chez le roi. Il est roi pour tout le monde. Il va nous écouter. Il va nous écouter. Je le dis toujours. On ne se répand pas ailleurs. On ne se purifie pas ailleurs. On ne devient pas parfait ailleurs. C'est dans la présence de Dieu qu'on se purifie. Alors Dieu nous dit ce soir, viens à moi tel que tu es. Viens à moi tel que tu es. Ne cherche pas un endroit où tu vas te purifier pour que tu viennes vers moi parfait. Viens à moi tel que tu es. Reconnais ton mal. Réponds-toi et prie. Le ciel t'exaucera. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je dis à quelqu'un, dans la marche chrétienne, il peut arriver que tu t'affaiblisses. Tu peux t'affaiblir sur la route, mais ton Père t'attend dans sa présence. Tu peux tomber sur la route, mais ton Père t'attend dans sa présence. Tu peux t'affaiblir un jour, mais ton Père t'attend dans sa présence. Il peut arriver que tu ne puisses pas avoir la force de prier, mais ton Père t'attend dans sa présence. Oui, il peut arriver que tu puisses faillir dans ton système de pensée, dans ton comportement, dans ton langage, mais ton Père t'attend dans sa présence. Je dis à quelqu'un, ton Père t'attend dans sa présence. Je ne sais pas, je parle à qui ce soir, mais je te dis bienvenue dans la présence du Père. Je dis bienvenue dans la maison du roi. Je dis bienvenue dans la maison du roi. Alléluia. Amen. 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 Comme le président de la République passe à Zaranda Kunaye, soit sur terre là-bas congolais, en tout cas, dans un président à Bato Nios, n'a pas de cravate, n'est tu frère Caleb, n'a pas de français. Il est leur président, n'est-ce pas ça? Voilà. Je voudrais dire à quelqu'un, je suis en train de déraciner la pensée de la culpabilité qui t'empêche d'aller vers le haut. Dieu n'est pas un homme. Je dis Dieu n'est pas un homme. Je dis Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Si on connaissait le cœur de Dieu, on n'allait
pas chasser certaines personnes de la présence de Dieu. Alors viens tel que tu es. Dis à ton voisin, viens tel que tu es. La prière. Le sambo. L'apôtre dit dans 1 Timothée chapitre 2. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose. Avant toute chose. J'exhorte avant toute chose. À faire des prières. Des supplications. Des requêtes. Des actions de grâce. Pour tous les hommes. Priez. Priez, priez. Avant toute chose. Ces femmes se sont dit, nous irons voir le roi. Nous irons voir le roi. Première raison, parce qu'il y a impossibilité. Une impossibilité s'est présentée. Le problème est grave. Il y a mort d'homme. Parce qu'il y a impossibilité. Parce qu'il y a mort d'homme. La seule personne qui peut nous donner solution, c'est le roi. Alors allons voir le roi. Bien aimé dans le Seigneur, toute impossibilité est un appel à la prière. Je dis toute impossibilité est un appel à la prière. Parce que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu des cas impossibles. C'est le Dieu de toute impossibilité. Parce qu'il y a mort d'homme. Parce que la terre est bloquée. Le seul qui peut ouvrir la porte, c'est le roi. Et le déclencheur de ce déblocage là, c'est la prière. Je dis à quelqu'un ce soir, quelle est cette impossibilité devant laquelle tu fais face? Qu'est-ce qui est bloqué dans ta vie? C'est une invitation à la prière. Là où ça ne marche pas, ça t'invite à prier. Justement, le Dieu que nous invoquons, le nom de Jésus, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit ceci. Nous avons chacun son problème. Mais nous avons tous une même solution. C'est le nom de Jésus. J'ai dit c'est le nom de Jésus. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il donne la victoire. Il donne le mariage. Il bénit le travail. Il enlève la maladie. Il enlève les accidents. Il donne la paix du cœur. Il donne la joie de vivre. Il résout chaque problème. Et si tu as une impossibilité, tu es venu au bon endroit. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit. Non, je dis à quelqu'un, tu es au bon endroit. Parce que ce soir, ta prière va te connecter à l'invisible. Je dis, ta prière va te connecter à l'invisible dans le monde des possibilités. Et tu vas ramener ta solution. Et tu auras, ça aura de l'impact dans ta vie. Et dans les jours qui viennent, tu vas témoigner. Tu diras, j'ai cherché l'Éternel. Et il m'a exaucé. Parce qu'il continue à exaucer jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. La prière nous introduit dans le surnaturel. La prière nous introduit dans le monde des possibilités illimitées. C'est pourquoi, frères et sœurs, il ne faut pas que ta prière soit influencée par ton intellect, par ton côté rationnel, par ton côté, vous savez, si tu fais des prières rationnelles, c'est-à-dire scientifiquement correctes, bon, tu peux aussi avoir des réponses scientifiquement correctes. Éternel Dieu, je viens devant vous. D'abord, tu es en train de vous voir Dieu. Tu crées une distance. Je viens devant vous. Selon les résultats des examens cardio. Je ne sais pas, il est important que je fasse un scanner cervical
Alors j'aimerais que tu interviennes, Seigneur, lors de cette intervention, que le médecin chevronné puisse trouver du temps à pouvoir bien me soigner et que la cure que je prendrai puisse avoir des effets. Et après 45 jours, Seigneur, si tu permets que je sois guéri, ce sera très gentil de ta part. Ok. Je ferai tout de sorte que. Et puis, mon peu coup la médecin bien, après 45 jours, un peu moni, et ça l'a mis bien. Vraiment, ça a été comment? Gentil de ta part. Prière rationnelle, réfléchie, scientifiquement correcte. C'est pas mauvais. Dire ton voisin, c'est pas mauvais. Mais aussi notre dimension de prière, où j'entre dans le surnaturel, où je me dis, tu n'es pas la médecine, tu es mon créateur, tu connais mon corps mieux que le médecin, tu peux toucher quelque part en une seconde et je suis guéri, sans passer par la salle d'opération, sans faire ceci, cela. Éternel, je t'invoque, toi le Dieu du surnaturel, tu oublies ton diplôme, tu oublies ton rang social, tu oublies ton français, tu entres dans le surnaturel, tu puisses des choses et ça s'accomplira. Alors quelqu'un dit un bon amen. Alors ce soir je dis, tu es où? Moi je préfère le raccourci de la foi. Je préfère le raccourci de la foi, où je viens voir le roi qui a toutes les solutions à mes problèmes. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois la soif de prière. Reçois la joie de prier. Reçois la foi nécessaire. La foi, c'est le moteur de la prière. La foi, c'est le moteur de la prière. Bien aimé dans le Seigneur, nous prions parce qu'il y a une possibilité. Si elles sont venues voir le roi, c'est parce que quelque part il y a une impossibilité. Il y a quelqu'un qui est décédé. Alors il faut une solution. Une solution royale. Une solution royale. Je dis à quelqu'un, ton impossibilité est le domaine de l'explosion du règne de Dieu. Ton impossibilité, c'est là que Dieu se voit, je veux dire Dieu. C'est-à-dire, c'est un domaine où tu donnes à Dieu l'occasion d'exprimer sa divinité. Ton blocage est un domaine d'explosion de la puissance de Dieu. À un certain moment, il faut que le blocage soit là pour que la puissance de Dieu se manifeste. À un certain moment, il faut qu'une situation difficile vienne parce que la difficulté détermine l'éclat de ton témoignage. Je viens dire à quelqu'un, tu témoigneras. Je dis, ton témoignage sera grand parce que tes difficultés ont été grandes. Tu as tellement traversé les impossibilités que tout le monde aura besoin d'écouter ton témoignage. Je dis à quelqu'un, tant que Lazare peut être traité par l'aspirine, la présence de Jésus sera un peu confondu avec les traitements. Les uns diront, il a été guéri parce que il a suivi un bon traitement. Mais les autres diront, non, c'est parce que Jésus était là. Alors, pour trancher, il dit, il va mourir seulement. C'est-à-dire, amenons ce problème dans un terrain d'impossibilité. Pour que quand je me leverai, que l'aspirine se taise, que le médecin se taise, j'insiste pour dire à quelqu'un, nos impossibilités appellent la puissance de l'éternel. Lorsque tu es face à un blocage, c'est une bonne occasion de prier. Je disais, c'est une bonne occasion de prier. Parce qu'il y a un Dieu dans les cieux qui débloque les situations.
Ce que j'aime, c'est que ces femmes n'avaient pas le programme d'aller chez le roi. C'est leur problème qui est devenu une invitation dans le palais du roi. Et la manière dont ils ont raconté leur problème au gardien du roi ont fait que les portes de la royauté leur ont été ouvertes. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Ton problème te rendra accessible dans certains milieux. Je dis ton problème est un moyen que Dieu a provoqué pour que certaines portes s'ouvre. Je ne sais pas le roi avec quel programme. Je ne sais pas dans son programme d'accueil avec quelle personnalité qui devait venir. Mais lorsqu'ils ont écouté les problèmes de ces femmes, ils ont dit non, arrêtons un peu tout. Qu'elles entrent. Je dis à quelqu'un, si ça traîne, si ça devient compliqué, si l'impossibilité se lève, c'est parce que le roi veut t'accueillir. Ce soir, le roi accueille un certain nombre de personnes. C'est le jour des possibilités. Dis à trois personnes, c'est le jour des possibilités. Tous les jours ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, Dieu va opérer des miracles. Aujourd'hui, le roi va donner des solutions. C'est le jour où tu prieras comme tu n'as jamais prié pour avoir des solutions que tu n'as jamais eues. Quelqu'un donne un bon amen que ça arrive. Non, donne un amen que tes impossibilités disparaissent devant toi. Amen. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Elles étaient limitées à cause des impossibilités. Alors, les portes de la royauté sont ouvertes. La prière. La Bible dit dans Psaume 135, verset 5. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les cieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Aucune impossibilité ne reste devant lui. Tout ce qu'il veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Tout ce qu'il veut, il le fait. Ce jour-là, Marie disait, comment cela se fera-t-il? En d'autres termes, c'est impossible humainement. Mais ce n'était pas impossible divinement. Je viens rappeler à quelqu'un ce soir ce qui est humainement impossible est divinement possible. Non, je reprends, je dis à quelqu'un ce qui est humainement impossible est divinement possible. Si humainement c'est impossible, c'est normal. Mais prends la situation, amène ça dans le divinement. Tu trouveras un nombre de solutions. Et aujourd'hui, nos solutions seront divines. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il y a quelqu'un ici qui dit, je crois aux promesses de Dieu. Mais comment cela se fera? Je sais que Dieu m'a appelé à la grandeur. Mais comment cela se fera-t-il? Dans la prière, nous venons confier à Dieu les comment. Nous, on attend seulement les solutions. Tu n'as pas besoin de comprendre les méthodes. Toi, tu as besoin d'avoir la solution. Oh, tu n'as pas besoin de savoir par où il va passer. Tout ce dont tu as besoin, c'est la solution. Et ce soir, que les méthodes ne t'inquiètent pas. Que les comment ne soient pas les questions. Dis, je viens vers le roi et je recevrai ma solution. Alléluia. Alléluia. Ce qui nous bloque dans la prière, c'est des questions du genre comment? Comment j'arriverai? Comment j'aurai ça? Comment j'aurai cette stabilité? Comment je deviendrai aussi fort dans la prière? Comment les dons spirituels vont s'exercer? Comment je vais vaincre ces péchés? Comment je deviendrai millionnaire moi aussi? Comment mon mari va-t-il se convertir? C'est vrai qu'on a dit qu'il va se convertir. Mais comment? Comment? Ne pose pas des questions du genre
comment. Toi, entre dans la prière. Il est le Dieu qui écoute les prières. Il est le Dieu qui exauce des prières même 5 ans plus tard. Même 7 ans plus tard. Même toi, tu oublies ta propre prière. Mais lui, il a déjà mis dans un programme. Au temps fixé par lui-même, il te répondra. Le sambo secret bien nos personnes amis sont bateau. Mobena me malikambele kinga moto. Avenanga ebie peki seloteo. Yaya nangaye. Le sambo salo bosana. Yaba 2013. Yaba 2014. Zamazo répondre en 2021. Amen. A ceux qui zayo loba men zambayo kayo. Amen. Amen. Na yoza mouki loba men zambayo kayo. Amen. Alléluia. Il a pris un berger derrière les brebis. Il a fait de lui un roi. Il était inconnu hier. Il devient connu aujourd'hui. Parce que le Dieu des possibilités illimitées l'a pris dans ses bras. Et ce qu'il a fait avec ce berger, il l'a fait avec beaucoup de gens sur la terre. Et la bonne nouvelle est qu'il n'a pas arrêté de le faire. Il le fera encore pour toi. Il le fera pour tes enfants. Il le fera pour ta vie. Je dis, il le fera. Ici, il y a des grands hommes de Dieu ici. Ici, il y a des grandes prophétesses ici. Ici, il y a des grands politiciens ici. Les députés de plus tard sont ici. Il y a des grands journalistes ici. Il y a des grands sportifs ici. Il y a des grands hommes d'affaires ici. Il y a des grandes femmes d'affaires ici. Il y a des informaticiens qui seront appelés à la présidence. Ils sont ici. Il y a des gens qui vont faire le tour du monde. Ils sont ici. Il y a des chanteurs qui vont chanter avec puissance, et onction et délivrance vont s'opérer. Ils sont ici en ces lieux. Le Dieu qui écoute les prières, il est le Dieu de toutes possibilités. Pourquoi chercher le roi encore? Parce qu'il y a contestation. Il y a eu une contestation. Il y a eu discussion. Là où il y a contestation, seule la puissance du roi est capable de changer les avis des méchants. Là où il y a plusieurs versions, la bonne version, c'est celle que le roi va donner. Ah, la bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir, c'est que le roi a la bonne version de ton histoire. Oh, je dis, le roi a la bonne version de ton histoire. Ceux qui sont partis avec ton histoire jusque hier, ils sont partis avec une partie de ton histoire. Ils ne connaissent pas toute ta vie. À partir d'aujourd'hui et demain, il y aura une autre partie de ton histoire qui va commencer. Je dis, là où il y a contestation, là où il y a discussion, là où il y a comme une sorte de doute, il faut aller vers le roi. Je dis à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, ne commence pas à t'expliquer devant les gens. Ne te justifie pas trop devant les gens. Amène ce problème-là dans la présence du roi. Le roi, il est celui qui sait faire taire les contestations. Il y a discussion sur la terre. L'autre dit, c'est mon enfant. L'autre dit, non, c'est mon enfant. Oui, mais il est à moi. Non, il est à moi. Il y a yonde akoufi, te yonde akoufi, te yonde, tout ça. Discussion. Alors, pour conclure, allons voir le roi. Oh, ce soir, nous allons voir le roi. Là où il y a contestation dans ta famille, allons voir le roi. Là où il y a contestation dans ton travail, allons voir le roi. Là où il y a contestation dans ton ministère, allons voir le roi. Tu n'es pas obligé de te prouver devant les gens. Tu n'es pas obligé de passer des temps à discuter avec ceux qui ne croient pas. Va juste voir le roi. Fléchis tes genoux. Présente ce problème. Il agira. Je suis en train de voir Dieu changer les versions de vie des gens. Vous savez, on connaissait Zachée comme un homme corruptible. Quelqu'un qui travaille à la DGI. Et puis il était très corruptible. Tout le monde connaissait ça. Il prenait les histoires des gens. Il avait les dettes des gens. Zachée, etc. Et puis
Ce jour-là, il a rencontré Jésus. Jésus lui a dit, « Descends de ton sycomore, car aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. » Jésus traversait. Lorsqu'il a vu Zachée, il s'est arrêté. Il a dit, « Je dois demeurer. » Il y a une dimension de la foi chrétienne où le Dieu qui traversait doit devenir le Dieu qui demeure. Parce qu'un cœur assoiffé a voulu le chercher. Jésus n'est pas impressionné par la foule. Il est impressionné par un cœur assoiffé. Un cœur qui voulait le voir. Zachée, j'ai une mauvaise réputation, mais je voudrais le voir. Je ne suis pas bon, mais je voudrais le voir. Je n'ai pas une bonne vie, mais je voudrais le voir. Alors Jésus a vu cette soif-là. Il dit, je ne veux plus continuer ma course. J'irai demeurer. Et ce que j'aime dans cette affaire, c'est que les gens qui sont partis avec l'histoire de Zachée, les voleurs, ils sont partis avec une mauvaise partie de l'histoire. Parce que le Zachée qui est transformé, c'est le Zachée qui pardonne. C'est le Zachée qui rend quatre fois ce qu'il avait emprunté. C'est le Zachée qu'ils ont changé. Alors Zachée n'a pas besoin d'aller dans toutes les maisons pour leur dire j'ai changé. Non. Il continuera à vivre sa vie et les gens vont constater que Zachée a changé. Je viens dire à quelqu'un, là où il y a contestation, cherche juste le roi. Il a le pouvoir de changer ta réputation. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Il a le pouvoir de changer l'histoire. Il y a contestation. Il y a discussion. Il y a revendication. Les deux femmes revendiquent la même chose. Le monde est méchant. Le monde est mauvais. Celle qui a perdu son bébé, elle souhaite que l'autre puisse avoir aussi mal. Elle n'est pas contente de voir. Elle a perdu son bébé. L'autre là est encore en train d'allaiter le bébé. En train de chanter. Non, ce n'est pas bien. On doit les perdre nous deux. C'est ça le monde dans lequel nous sommes. Des gens qui n'apprécient pas la paix des autres. Ceux qui sont en bas rabaisse ceux qui sont en haut. Ceux qui sont en bas font tout pour dénigrer ceux qui sont élevés. Ceux qui sont en bas. J'aimerais dire à quelqu'un, tous les riches ne sont pas des magiciens. Tous ceux qui réussissent ne sont pas toujours mauvais. Si tu as l'habitude de penser que tous les riches sont mauvais, tu fais deux choses. Un, tu t'empêches à toi-même d'être riche. Et puis deux, tu deviens le sorcier de ces riches-là. Alléluia. Amen. Va le monde dans lequel nous sommes. Qu'on puisse tous manquer. Qu'on puisse tous rater. Ceux qui ont perdu veulent détruire ceux qui réussissent. C'est ça le monde dans lequel nous sommes. Quand le roi veut tuer le bébé, la mère qui n'est pas la vraie mère, elle crie, tue-le. Quand le père nous deux, méchant. Heureusement, le roi est juste dans son cœur. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Il te donnera ce que tu mérites. Je dis, ce qui est à toi reviendra à toi. Oh, je dis, ce qui est à toi reviendra à toi. Je dis, ce qui est à toi reviendra à toi. Personne ne va se réjouir de ton malheur. Je dis, personne ne va se réjouir de ton malheur. Ce qui est à toi reviendra à toi. Dans le nom de Jésus. On nous a prêché ici par le pasteur Lord. Pasteur Lord. Il dit, si tu n'as pas encore le pouvoir de marcher sur l'eau, tu vas croire que celui qui marche sur l'eau est un fantôme.
Non, il n'est pas fantôme parce que tu n'as pas reçu ce pouvoir-là. Tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là. Attends seulement à avoir ce pouvoir. Quand il te dira viens, il y aura un téléchargement de pouvoir. Alors toi aussi tu commenceras à marcher sur l'eau. Et tu comprendras que tous ceux qui marchent sur les eaux ne sont pas des... Tous ceux qui construisent des immeubles ne sont pas des fantômes. Tous ceux qui ont accès à la grandeur ne sont pas des fantômes. Alors arrête de mépriser les autres. Va voir le roi. Dis à ton voisin, va voir le roi. Va voir le roi. Est-ce que quelqu'un entend Dieu ce soir? Troisième et avant-dernière raison pour laquelle ils sont allés voir le roi dans la prière. Pour l'écouter. Oui, pour l'écouter. Écouter sa sagesse. Ce que j'aime avec la prière, c'est que dans la prière, on ne parle pas seulement. Dans la prière, on a aussi le temps d'écouter le roi. Il faut prier avec l'intention d'écouter. Il faut prier avec le temps d'écouter. Elles sont venues parler au roi, lui exposer leurs problèmes, mais beaucoup plus. Elles sont aussi venu écouter le verdict du roi, la sentence, parce que la sagesse du roi est la meilleure. Nous prions parce que nous comptons sur la sagesse du roi. La beauté de la prière est qu'elle nous donne la possibilité d'écouter la sagesse du roi. Bien aimé dans le Seigneur, les hommes de prière deviennent sages. C'est pourquoi à un certain niveau de vie, ne sois pas pressé de répondre à certaines questions. Prends le temps de prier d'abord. Je dis prends le temps de prier d'abord parce que tu vas recevoir la sagesse du roi. Ça te permettra de bien orienter ta vie. La prière, c'est le domaine où nous écoutons la sagesse du roi. La prière, c'est le domaine où un Dieu qui veut agir dans le monde trouve un homme par qui il va passer. Parce que chaque fois que Dieu veut changer quelque chose, il cherche un homme de prière. Chaque fois que Dieu veut impacter une famille, il cherche une femme de prière. Chaque fois que Dieu veut agir dans un milieu, il cherche un homme de prière. Chaque fois que Dieu veut bouger une église, il cherche des hommes et des femmes de prière. Et ce soir, s'il peut nous trouver, alors il va nous communiquer sa sagesse. Et cette sagesse-là va changer notre situation. Alléluia. Amen. Elles sont venues, mais elles sont aussi venues écouter le roi. Ils sont venus écouter le roi. Quel sera le verdict du roi? Quel sera le verdict du roi? On ne sait pas ce qu'il dira. Même la femme, la vraie mère, elle ne savait pas comment le roi allait trancher. Mais elle faisait confiance à la sagesse du roi. Elle faisait confiance à la sagesse du roi. Je dis à quelqu'un, pendant ces 21 jours, nous sommes venus écouter le verdict du roi. Je dis pendant ces 21 jours, nous sommes venus écouter le verdict du roi. Il nous parlera et nos vies changeront. Je dis, il nous parlera et nous serons dans la sagesse du roi. Nous écouterons sa voix. Nous obéirons à sa voix. Et le chemin va s'ouvrir. Le psalmiste dit, je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La sagesse du roi nous épargne du danger. Et enfin, comme je l'ai dit, ils sont allés voir le roi pour rentrer dans leurs droits. Partout il y a injustice, il y a un Dieu qui répond aux prières. Ce soir,
ta prière le sambo na yo fera que Dieu fasse justice dans et toi. Sale te nzambe akotisa bosembo. J'aime le Dieu de justice. Na sepelaka na nzamba bosembo. Quand il intervient dans sa justice, tango yaka na bosembo na ye, il faut le laisser agir. Ebongi kotika ya sala. Nous aimons nos prochains. On ne leur souhaite pas du mal. Mais quand on vient voir le roi pour rentrer dans nos droits, dans sa justice, il peut détruire. Dans sa justice, il peut bloquer certains. Dans sa justice, il peut relever certains. Dans sa justice, il peut destituer certains. Tout ce que nous allons faire ce soir, c'est appeler le Dieu de justice. Père, je viens devant toi, toi qui es le Dieu de justice, toi qui sais trancher, toi le père des orphelins, toi qui combats les faibles, là où je n'ai pas de parole, là où je suis incapable, toi tu es capable, établis ta justice, là où je suis limité, toi tu es capable. Il y a des hommes forts dans ce travail, il y a des hommes forts dans ce milieu, il y a des gens qui ont des relations dans ce milieu. Moi je viens devant toi, le Dieu de justice, établis ta justice. Ce soir je vois Dieu établir sa justice. Je dis je le vois établir sa justice. S'il faut détruire Pharaon, il va détruire Pharaon. Pour établir sa justice. Si Goliath doit tomber, il va tomber. Pour établir sa justice. Je dis pour établir sa justice. Il arrive que Dieu puisse détruire certaines personnes. Amen. Parce que c'est le Dieu de justice. Quand il lui arrive de faire justice, il peut faire en sorte que les chars de Pharaon s'écroulent dans la mer. Il peut le faire parce qu'il est le Dieu de justice. Ce soir, nous prierons et le Dieu du ciel va rendre justice. Dieu nous a dit, il y a des gens en ces lieux qui doivent rentrer dans leurs droits. Non, il y a des gens en ces lieux qui ne méritent pas la vie qu'ils mènent. Il y a des gens en ces lieux dont des personnes sont en train de vivre heureux derrière leur souffrance. Aujourd'hui, que le Dieu de justice fasse justice. Trop c'est trop, tu ne peux pas pleurer toute ta vie. Je dis trop c'est trop, tu ne peux pas pleurer toute ta vie. Ce qui est à toi de revenir vers toi. Je dis ce qui est à toi de revenir vers toi. Que le Dieu de justice s'établisse dans ta vie. Je dis que le Dieu de justice, le Dieu qui voit dans le ciel, nous allons l'invoquer ce soir. Alléluia. Ofuta nyongo nanga. Osili samba pasi nanga. Tina nini na nyokoma. Osi onyokwa mapo nanga. Ofuta. Ofuta nyongo. On commence déjà à prier ce soir. Je m'arrête là. On a encore 21 jours. Tous à 21 jours, Masukio. Ofuta nyongo. Ofuta nyongo nanga. Osi lisamba pasi nanga. Prends la position qu'il faut pour prier. Nous sommes position malamo et segeli ko sambela. Nous avons 15 bonnes minutes dans la prière. Prends au sérieux ces instants. Répète cette phrase. Jusqu'à ce que ça entre dans ton esprit. Je n'ai pas le droit de souffrir. Et pourtant je suis ton serviteur. Ce soir nous sommes venus voir le roi. Trop c'est trop. Ou bien il est Dieu, il agit. Ou bien il n'est pas Dieu, il n'agit pas. Oh, il est Dieu. Il agira.
écoute ça. Ou bien il écoute les prières. Ou bien il n'écoute pas les prières. Il agira. Ou bien il guérit les malades. Ou bien il ne guérit pas les malades. Approche-toi du roi, approche-toi du roi. Le chemin est ouvert ce soir. Le chemin est ouvert ce soir. Oublie ton voisin. Oublie là où tu es. Tu es devant le trône du roi. Tu es devant le trône du roi. Tu es devant le trône du roi. Chacun avec son problème. Je n'ai pas un sujet à te donner. Je n'ai pas un sujet de prière à te donner. Je n'ai pas un sujet de prière à te donner. Je n'ai pas un sujet de prière à te donner. Je n'ai pas un sujet de prière à te donner. Nous sommes devant le trône. Il est plus que le médecin. Zambena, 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 Zamb
Viens trancher,
Que le Dieu de justice se lève. Qu'il étrange. Qu'il étrange. Qu'il étrange. Qu'il étrange. Ce soir, c'est le jour du verdict. Ah, c'est le jour du verdict. La sagesse du roi va fonctionner. Rekaboshe kamandara basete. Yekabari abrose terebo. Rekamandara brababashika. Yekataria brosheke. Tombe le boko nozo sambela. Kombo na Yesu. Mutumaka zulo bana kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Ndengo no sambela ndezo kamisa ngai. Nabi na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Lelo. Lelo. Na pusani. Na pusani. Liboso ya mokonzi. Liboso ya mokonzi. Pena tatoli. Pena tatoli. Oyo yangai. Oyo yangai. Eza yangai. Eza yangai. Bisika nyoso. Bisika nyoso. Bato. Bato. Bazo sepela. Bazo sepela. Na kolela na ngai. Na kolela na ngai. Na kozanga na ngai. Na kozanga na ngai. Na ba perte na ngai. Na ba perte na ngai. Lelo. Lelo. Nazo déclarer. Nazo déclarer. Transfert. Transfert. Retour. Retour. À l'expéditeur. À l'expéditeur. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Oya ngai eza ya ngai. Oya ngai eza ya ngai. Ekozongela ngai. Ekozongela ngai. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Na boyi. Boy. Malheur nangai, malheur nangai, eza le sengo, eza le sengo, ya moto mosusu, ya moto mosusu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, lelo, lelo, retour, retour, à l'expéditeur, à l'expéditeur, ozo bete maboko, ozo déclarer, yanga eza yangai, yanga e bebite, yanga e kufite, yanga e polite, rabo sheke, remandari abrosete. Et les âmes qu'on la transfère. Et les âmes qu'on la transfère. Et les âmes qu'on la transfère. N'ayez pas mon conzi. Pour la zone, on a droit à l'angaï. N'ayez pas mon conzi. Pour la récupérer au yangaï. N'a combo na Yesu Masia. N'a combo na Yesu Masia. N'a boy batobas à la fête. N'a kozanga n'angaï. N'a boy batobas à la fête. N'a kolela n'angaï. N'a boy batobas à la fête. N'a pas perdu n'angaï. Na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, rekamandaria bro. Ozo récupérer ya yo, récupérer position na yo, récupérer foyer na yo, récupérer bana na yo, récupérer business na yo, récupérer position, na kombo na Yesu, ozo réclamer ba droit na yo. Tu es dans tes droits. Tu es dans tes droits. Devant le roi, j'ai le droit de réclamer, de revendiquer. Rebocheke, samanani abrosete. Rebrocheke, na boyi bato. Ba utiliser ma idée nangai. Ba utiliser ma projet nangai. Ba utiliser ma idée nangai. Po ba dondwa na yango. Na boyi, yangai eza yangai. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Ezonga, ezonga, ezonga. Oye pas mokonzi. Devant le roi, nous écoutons le verdict du roi. Devant le roi, nous recevons la sentence finale. Chacun revient dans ses droits. My God, my God, my God. Motako utilise étoile na yote. Motako utilise étoile yabana na yote. Ya yo, ça ya yo. Ya yo, ça ya yo. Ya yo ya yo, ya yo ya yo, étoile na yo fait briller, étoile na yo fait ngenga, yo faut jouir nango,
yo fosse plana yango ezaya yo mama baba ba shika bravo ande la brocheke simaria mama mon dieu. Ce qui va louer la nana, va louer la nana. Ce qui va simba kitsi, va simba kitsi. Ils ont osé ranaïe sous Massia. Le roi qui rend verdict avec sagesse. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Shaba Shekandara Basante. C'est terrible ce soir. C'est terrible ce soir. Les transferts sont en train de s'opérer. C'est lui qui utilise ton étoile. C'est lui qui utilise ton intelligence. Il utilise tes idées, tes projets. Il échoue maintenant. Il échoue maintenant. Il y a quelqu'un qui travaille ici. Et dans son travail, il y a même des gens qui viennent lui dire. En réalité, c'est comme si la place du chef là, c'est ta place. Parce que c'est toi qui défends votre direction. C'est toi qui défends votre service. Tu es là à faire tous les rapports. Ce soir, un transfert s'effectue. Tu lèves ta main, je déclare le transfert. Je déclare le transfert. Ce qui est à toi reviendra à toi. Amen. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui travaille dans les affaires, les business. Et depuis un temps, tu es en train de connaître les pertes. Tu te dis, mais comment ça se passe? C'est tout qu'ils ont creusé. Je suis en train de le remplir maintenant. Je refuse toute forme de perte. Au nom de Jésus, tu es appelé à l'abondance. J'appelle le succès. Dans le nom de Jésus, même les clients que tu connaissais, ils ont changé. Ils ne viennent plus chez toi. Je les rappelle. Je dis à quelqu'un, cette semaine qui commence, ce client-là qui t'avait fui, il reviendra chez toi. Je dis reviendra chez toi. Je dis reviendra chez toi. Tu viendras témoigner en ces lieux. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Il y a des bien-aimés en ces lieux qui sont dérangés par l'homosexualité. Tu es un homme et tu cherches les hommes. Et tu es attiré par les hommes. Tu es une femme, tu es attiré par les femmes. Je ne veux pas vous exposer. Mais j'aimerais bien que vous puissiez avoir le courage de venir au bureau dans les jours qui viennent. Mais déjà ici, je déclare que tu es délivré de cela au nom de Jésus. Je dis, je déclare que tu es délivré de cela au nom de Jésus. Non, prions même une minute pour ces personnes-là. Élève ta voix, élève ta voix. Prions pour ces bien-aimés-là. Qu'ils aient un dégoût de cela, un dégoût de cela. Prie bien pour ton frère, prie bien. Nous sommes à l'église, prie bien. J'installe un dégoût d'homosexualité au nom de Jésus.
Tout esprit de lesbianisme, je le détruis au nom de Jésus. Je le détruis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Matondo mingi, alléluia. Matondo mingi, alléluia. Yesu. Matondo mingi, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yesu. Matondo mingi, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Papa yoza malawi. Alléluia. Olo yoza na bomo. Alléluia. Yesu matondo mingi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Yesu matondo mingi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Olo na pesa yo nini. Alléluia. Yango na beteli yo maboko e. Alléluia. Na lobi matondo mingi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Yesu matondo mingi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Yesu na pesa yo ninye. Alléluia. Na beteli yo mololo mololo. Alléluia. Shilo matondo mingi. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh amen. Alléluia. Oh papa matondo mingi. Bon avance au salut. Alléluia. Oh Yahweh Kumama. Eh Yahweh Kumama. Oh Yahweh Kumama. Papa Yosali Nzambe. Mama. Hey. Mama. Yesu. Yahweh Kumama. Yosali Nzambe. Mosantu Kumama. Oshilo Kumama. Papa Nanga Kumama. Olo na pesa yo ninye. Mama. Yahweh Kumama. Hey. Yahweh Kumama. O kangoli obikisi osali ya binene papa e ai na futa yo ninye mama Yahweh Kumama Yahweh Kumama osali zambe papa yozali zambe osali zambe chilo yozali zambe osali yozali zambe osali papa yozali zambe osali Oza 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 Oyo ngana lukaka papa Oza 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 Nonso ngana lukaka shilo Oza oza monto te Oza oza monto te Papa yoza monto te Yesu yoza monto te Shilo yoza monto te Mosantu yoza monto te Papa yoza monto te Volo yoza monto te Ozali zamba bo moi Na beteli yo maboko Ozali zamba ngolue Na bakiseli yo milolo milolo Papa yoza monto te Yoza monto te Mosantu yoza monto te Shilo yoza monto te Aza monto te pa kosa viso Azan zambe, azan zambe, azan zambe Quelqu'un acclame le roi des rois Bethlehem, mon nom est victoire Aïe, 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 aïe. Beta mambo, on a mon rôle prophétique, prophétique. Yamuto a su déjà, a commis déjà, a simi déjà. Hey!